se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et oui, ça va être la première vidéo de ce tuto de nouvel album photo. Je ne sais pas si ça se dit vraiment comme ça, mais ce n'est pas grave. Je vous ai préparé tout, vous voyez, j'ai plein de petits dessins. Il me manque juste un que je n'ai pas fait, je le ferai après. Ce n'est pas grave. Enfin, après, si j'ai le temps, parce qu'il est quand même 17h, nous sommes le 31 décembre. Oui. Bref, du coup, aujourd'hui, je vous fais la structure du prochain album photo, une structure qui va changer un peu de d'habitude. Alors, j'ai bien installé, bien dans mon fauteuil, j'ai une Olaf derrière mon dos, donc j'ai très peu de place. Elle prend plus de place que mes grosses fesses, mais c'est pas grave, sauf qu'il faut que je me relève, puisque pour pouvoir couper ma structure, ça va être beaucoup plus facile de le faire debout pour y mettre mon poids. Comme ça, vous allez pouvoir voir comment pour les nouvelles qui vont arriver, vous verrez comment moi je coupe ma structure. Sachez que ça fait 2 ans et demi, voire 3 ans que j'ai cette guillotine, que je coupe que ma structure avec, puisque j'ai une autre guillotine, et qu'elle n'a pas bougé. Donc vous pouvez y aller, ne vous inquiétez pas. Ma structure, je la fais avec du carton gris, c'est 2 mm que j'achète sur la boutique de Ninon, donc Horizon Créatif. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc je me relève et je vous explique un petit peu le concept. D'accord. Soyez toute oui. Oui, oui, toute oui. Vous savez, Louis, les oreilles. Ouais, bon, vous voyez pas, je touchais mes oreilles, mais c'est pas grave. Du coup, vous verrez, j'ai fait donc un carré de 22 par 22, ce qui va être le fond de notre album photo. J'ai fait deux bandes ici de 22 par 7 cm, qui vont être nos côtés de nos structures. Et ici, alors, je n'ai pas noté, mais du coup, elle fait 22 par 4 et il vous en faut 2. Voilà, ça, c'est le début. Alors, on vient pour couper. Hop, je vous ai fait des petits traits, c'était plus facile. Hein. De toute façon, je vous remettrai les centimètres écrits. Alors, hop. Ici, on va couper une première. Ici, et je vais retirer le petit bout dont je n'ai pas besoin. Ça, de côté, on va en avoir besoin. Ici, du coup, je retire ici et mon carré là. Hop là. Bon, d'habitude, je fais pas quand je le fais pas en vidéo, je fais pas mes petits traits. Hein. Mais là, je me suis dit, ça va être plus simple pour vous pour voir. Hop là, ici. Ça, je retire. Alors, je les jette pas spécialement, hein, je les mets de côté parce que quand on veut faire du 3D, apparemment, c'est beaucoup plus efficace de prendre de la mousse 3D. Je vais y arriver. Et enfin, ici, donc déjà, je vais retirer mon carré là. On fait bien attention à nos doigts. Hein. Ça, c'est pas fait pour rien. Hop là. Ensuite, je retire. Alors, quand c'est des tout petits morceaux comme ça, il y a des moments, c'est pas tip top pour couper. Hop, vous voyez ici. Donc, c'est pas grave. Ce que je vais faire, c'est que hop, je pousse Olaf. Et je vais venir finir au ciseau. Voilà. Et là, je la recoupe en deux du coup. Hop. Et ici, si jamais la guillotine, vous n'y arrivez pas, il y en a qui n'arrivent pas à couper droit à la guillotine, et bien vous faites vos traits. Comme ça, vous savez que vous avez coupé droit. Hop, moi, je fais ça. Non, je ne fais pas ça, je vais en avoir besoin tout à l'heure. Hop là, ici. Bon, celui-là, je le jette par contre. Voilà. Hop. Je vais juste... Lola, fais de la place à maman. Oui, je sais, t'aimes pas. Mais hé, c'est mon siège. Et j'ai oublié de prendre mes petits trucs qui sont tout là-haut. Voilà, hop. Ici et ici. Et plus ça va, plus ça prend de la place. Alors, hop. Donc, si on met bien tout correctement, on a le 22 ici et ici. Alors là, vous allez vous poser des questions, mais à quoi va ressembler sa structure à Marie? Vous allez voir. Donc, au niveau du craft grip, parce que moi je mets du craft gommé, puisque moi c'est ce que je mets pour faire ma structure, il va m'en falloir 1, 2, 3, 4. Hop. Je prends ici.
fin. Alors, mon craft-gourmet, pour ma part, je l'avais acheté chez Plein Ciel, il y a au moins 3 ans, je crois. C'est toujours le même rouleau. Ninon en a. Alors, je ne sais pas ce qu'il donne parce que je ne l'ai pas encore testé. Je compte le tester certainement cette année puisque je ne pense pas que je vais en avoir encore pour beaucoup, beaucoup d'albums. Mais, hop, voilà. Hop là, puis il me reste plus que ça. Donc, ici, et je vais venir mettre, hop, le premier, juste là, un petit peu d'eau. Alors, mon chip-sheet est un petit peu meurt, hein. Hop, ici, et ici. Je fais là et je vais prendre ici et donc ma 2 mm et ma 10. Oui, ma 10, c'est bien ma 10. Hop. Donc c'est pareil, ce kit là, je l'ai eu sur la boutique d'Horizon Créatif. Hein. Hop, ici. Ici, avec le 10 au moins je suis sûre que ma structure ne craque pas. Après vous pouvez toujours prendre le 9 8,5. J'ai un doute si à la fois que j'ai pas pris un 8,5 elle n'avait pas craqué. Le 9 est très bien, mais le 9 je l'ai cassé. Oui, bien Maric. Hop là, ici on fait la même chose avec l'autre, donc on se trompe pas, on mouille bien le côté brillant là où il y a la colle bien évidemment. Hop. Je vais y arriver ici, donc le 2 là, donc celui-ci me permet à tenir, à faire en sorte que mes planches soient mes cartons soient droits en fait. Hop. On n'oubliera pas de les nettoyer par la suite parce que forcément du coup ça colle. C'est comme ça que j'en ai cassé une. Hop. Et ici je vais juste prendre mon chiffon de chez Texam. Voilà, il y a de l'encre aussi dessus, alors je ne sais pas d'où, j'en ai plein les doigts, vous voyez le tatouage, j'en ai moins parce que j'ai pas de les mains, mais je sais pas d'où sort cette encre. Voilà, on fait la même chose mais de l'autre côté. Hop là, donc le grand et le petit après. Ici, le 2, le 10, et là je mets mon 7. 10, 2, 7. Hop. Vous voyez, et c'est en retirant comme ça en fait, j'ai pas fait attention et elle a craqué. Hop là. Bon, après, je pourrais encore m'en resservir hein, du 9. Il est. Ici, vous voyez, il me semble que c'est le 9 celui-ci. Parce que j'ai le 8,5, après j'ai plus petit. C'est pas compliqué, le 8,5, il est là. On a l'impression même que c'est la même taille. Hop, tellement que c'est petit. Et enfin, le dernier. Ici, hop. Donc pareil ici, le 2 ici, ici, et je mets mon 4 juste ici. Hop, je retire les deux, voilà, et ici. Voilà. Alors là, je vais essuyer à la grosse, mais je pense que vous allez vous rendre compte, mais ça brille en fait. Et je vais venir bien le nettoyer après. Hop.
Le 2, alors le 10, je ne vais plus en avoir besoin, mais le 2, je vais en avoir besoin après. Quand je vais venir mettre mon papier blanc, en l'occurrence, puisqu'ici je vais travailler avec du papier blanc, j'ai vraiment hésité en voyant le premier, en apercevant, pardon, parce que j'ai pas regardé le tuto en entier, mais en apercevant le premier tuto de l'album photo Warm of Pussy Fall, donc le même que celui-ci de Michel Fieu, j'ai beaucoup aimé ce que ça donnait sur du marron. J'ai vraiment hésité, mais après je me suis dit non, Marie, t'as pas assez, donc il va falloir que tu recommandes chez Ninon et puis que tu attendes. Du coup, on va partir sur du blanc, parce que ça fait très bien aussi en blanc. Mais j'avoue que sur du marron, ça donne plutôt pas mal. J'ai très très hâte de voir ce qu'elle va faire par la suite. Donc, du coup, ça viendra me servir à couper ici mon rubber pour avoir que 2 cm de rubber pour mon papier blanc. Donc ce que je vais faire, c'est que moi je vais vous laisser là tout de suite. Je vais mettre en accéléré parce que c'est très très simple de mettre le papier sur la structure. Il nous suffit d'avoir du gros scotch, qu'il faut d'ailleurs que je recommande, dessus pour le coller. Et après je reviens à vous. Donc comment va être ma structure? Eh bien ma structure va être comme ça. Et comme ça, et comme vous voyez, mais Maric, ça va pas au bout. Non, on recoupera un morceau de carton gris par la suite, plus petit que celui-ci, que le 22 par 22. Alors je n'ai pas encore trop regardé. Je pense qu'on fera un 20,5 par 20,5 ou 21 par 21. Peut-être 21 par 21, à voir. Et on viendra le mettre dessus et il tiendra avec des aimants. Oui, des bons gros aimants. Voilà, donc on attaque le papier blanc ici et je vous reprends après. Je vous mets de la musique. Il ne restera plus qu'à mettre 2 papiers blancs. Ici, je les mettrai après hors caméra. J'ai oublié de le mettre. Voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, notre structure est comme ça. Donc, en blanc. Ici, on viendra mettre 2 aimants. Et le but étant, alors ça va pas être évident parce qu'il faut le garder ouvert, qu'il y ait une toute petite marge. Alors, peut-être pas 1 cm d'écart parce que je trouve que ça fait quand même beaucoup après 1 cm. C'est pour ça que j'attendais d'avoir fait cette première partie pour pouvoir voir à peu près ce qu'on met. Donc si je mets là, parce qu'il ne faut pas oublier que nos pages feront 21 par 21. Hop. Donc en mettant un 0,5, c'est plutôt pas mal. Alors, sachant que comme il y a eu du papier, c'est un peu plus grand. On est passé à du quasiment 22,5. D'accord. Je vais quand même garder du 21 par 21. Ouais, on va faire ça. On va faire du 21 par 21. Et on va bien voir ce que ça donne. Donc, hop, ici, je reprends là. Et donc, je prends à 21. Et je coupe. Alors, quand vous faites ça, vous faites bien attention parce que... Alors, je vais vous montrer. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Moi, j'ai mon rubber ici, et en fait il y a des moments je fais pas attention et je m'érafle les mains parce que je vais trop loin. Hop, je vous remets correctement, donc faites bien attention de pas vous faire mal non plus, hein. Hop, et ici j'ai eu un bug, mon téléphone a fait du bruit. Hop, voilà, il y a des moments c'est pas super parfait comme vous voyez, mais ce que vous avez à faire c'est que vous passez un petit coup de ciseau. Et c'est nickel. C'est beaucoup plus pratique, hein, que de le faire au cutter. Et c'est beaucoup moins long aussi. Donc,
en faisant du 21 par 21, ça va nous donner à peu près ceci. Hop. Je suis pas fan. Donc, je vais retirer 0,5. On va essayer à 20,5. Voilà, ça va être l'ajustement. Je vous remettrai les bonnes dimensions, ne vous inquiétez pas, que j'ai fait par la suite. Mais c'est pour vous, que vous puissiez voir à peu près le processus. Alors, je vais pas faire à 20,5 exactement. Je vais faire à 8 inches. Ce qui est quasiment 1 mm en dessous. Mais, hop. Il ne veut pas couper pour si peu. Mince, hop. Ici. Et du coup, ici, 8 inches. Voilà, lui, il a bien voulu. Hop. Donc, 8 inches, ça fait 20,4. Exactement. Donc là, et du coup, ça nous donnerait... ici. Impeccable. Mais en fait, c'est ça qui m'embête, c'est que ma structure, elle était partie un petit peu sur le côté en fait. Je sais pas pourquoi. Hop. Là. Et du coup, ici. Et ici, ouais, j'aime vraiment beaucoup. Et c'est ça qui va venir fermer notre album photo. D'accord? La couverture, on s'en occupera plus tard. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais recouvrir ici, mettre mes intérieurs, encore une fois, en musique. Et on voit ça après, ensemble, comment ça donne. D'accord? Pas fait en blanc ici, je l'ai fait en rouge. Pourquoi? Parce que tout simplement, mon blanc c'était un peu just, et comme je compte mettre du rouge dedans, je me suis dit, vas-y Marie, pourquoi pas le mettre en rouge. Donc du coup, la couleur que j'ai pris, c'est Ruby, donc de chez Florence, que j'ai acheté sur boutique Horizon Créatif. On va venir, alors comme vous voyez, j'ai couvert ce côté-ci, mais pas celui-ci, tout simplement parce que celui-ci, on va avoir nos aimants à mettre, et que là, je ne mettrai rien d'autre que du papier décoratif, et ça, je verrai en temps et en heure pour pouvoir le mettre par rapport à ma page du dessus. Donc je pense que même si je me suis décidée avant, je viendrai certainement la mettre à la fin. D'accord? Notre album va se dérouler comment? Eh bien, on va pas le faire comme d'habitude. Déjà, pour commencer, parce qu'il n'y aura pas deux intérieurs de couverture, mais juste un fond d'album. Et on va venir, au fur et à mesure, mettre nos pages en haut. D'accord? Alors, je ne sais pas si je collerai toutes de la même page, toutes les pages du même côté, ou si je ferai chaque. Ça peut être sympa, il y a longtemps que j'ai fait comme ça, à voir, je ne sais pas encore, tout vient à point, à qui c'est attendre. Ouais, bon, je sais pas si c'est vraiment ce qu'il fallait dire à ce moment-là, mais bon. Du coup, on va venir ici mettre nos aimants, hop là. Donc, on a dit qu'on voulait qu'ils soient un peu comme ça, voilà, donc hop, ici, je vais juste mettre là, là. Et là. Alors, normalement, avec. Hop là. Les gros comme ça de chez Horizon Créatif, on ne devrait pas avoir de soucis. Hop, je vais venir en mettre un ici. Hop, je suis désolée, vous entendez Jojo, comme je vous ai dit. Hein. Hop, et ici. Voilà. Du coup. Ils vont venir là. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre, hop,
Alors, j'ai pris de l'extra fur. Oui, je sais. C'est vraiment pour que ça tienne bien fur. Hop. Et de 1. Donc là, il va vous falloir 8 aimants. Hop, mais il n'y avait pas besoin d'en mettre 2. Hein. Hop là. Et du coup, on a dit qu'on venait le mettre ici. Alors, comme par hasard, il veut pas. Donc, je vais prendre ma petite colle là, ici et ici. Et la tête de sa mère, il va s'en prendre une lui, moi je vous le dis. Je sais pas si vous vous l'entendez, mais moi je l'entends très très bien. Hop, ici, là, et du coup l'autre. Alors, je vais juste là, voilà, et je prends ici pour bien, hop, voilà, qu'ils me tiennent bien mon aimant. Hop, ici, d'accord. Et on vient mettre la même chose de l'autre côté, donc on fait en sorte qu'il soit droit. Voilà. Alors normalement après ça devrait pas avoir de soucis. Hein. Mais hop, je veux juste. Donc à faire attention que vos structures sont bien droites surtout. D'accord? Qu'ils ne soient pas une moins bien que l'autre. Voilà. Et ici. Et du coup, j'en mets un. Ici, alors j'en mets que deux pour le moment. Et je verrai par la suite si je pousse en mettre un troisième ou pas. Hop. Là. Je reprends. Hop là. Deux. Du double face. Et un ici. J'en ai un autre. Hop. Ici. Même effet qui se coule que tout à l'heure. De la petite colle pour voir où le mettre. Hop. Ici. Et du coup, il allait juste là. Comme ça. Hop là. Et je récupère. Toi. En haut. Et toi, en bas, voilà, et ici. Et du coup, on a notre structure ici, et ici, et elle nous tiendra fermée. Normalement, il n'y aura aucun souci, je l'espère, parce que ça pourrait donner super sympa. Qu'en pensez-vous? Bon, bien évidemment, ma déco n'est pas terminée. La décoration du dessus, je la ferai hors caméra. Je ne sais pas quand, puisque ça n'empêche pas qu'elle ne me gênera pas à tout moment pour pouvoir le faire. Et voilà. Franchement, bon. Moi, j'aime beaucoup. Ouais, bah ouais. Moi, j'aime vraiment plutôt beaucoup, beaucoup. Je ne sais pas s'ils sont vraiment super bien droits, mais là, comme ça. Mais je vérifierai ça bien correctement hors caméra, ce sera beaucoup plus simple. Mais voilà un petit peu ce que donne notre structure. Et comme ça, quand on ouvrira notre album, on pourra tout enlever et l'ouvrir bien en grand. Oui, oui, oui. D'accord? Allez, moi j'espère que cette vidéo vous aura plu, que la musique nouvellement mise sur Marie Scrap vous aura plu également. Et on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, bisous, bisous.